Ouais, ça marche. Donc vous avez vu la Crazy Team, incroyable, incroyable. Vous avez vu premier passage de street jazz adulte, incredible. Et ben maintenant, on va voir de nouveau un enchaînement de rock, rock and roll. Alors c'est des danseurs de rock qui ont un peu plus de bouteilles que ceux que vous avez vus en première partie. Alors ceux en première partie, ils étaient forts. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont fait fort. Moi je suis très fier. Là maintenant, je les ai appelés la Gospel Team. Pourquoi la gospel? Pourquoi? Non? Merci Renan, il y en a un qui suit. Donc je vous demande d'accueillir sur scène la Gospel Team avec Monique et Jean-Paul. Hélène et Aurélie. Et on terminera par Béa et mon Bruno. Alors déjà, je vais dire un grand merci à Aurélie. Aurélie. Ah oui, c'est vrai que tu ne peux pas sortir les bras, mince. Aurélie qui a confectionné les tuniques de gospel. Et petite particularité pour Aurélie encore, oh, c'est son soir, hein, il faut le dire, hein, et tout, voilà. Aurélie, ça fait quelques années qu'elle adore danser. Moi, je l'ai connue, laisse tomber. Pas grave. Je voulais vous dire, franchement, vous avez vu les éveils avant, c'est de 6 à 10 ans, ok? Là, j'ai vu des anciennes éveils dans la salle. Elles ont 18 ans, là. Laissez tomber. Aurélie, la particularité d'Aurélie, c'est tout simplement, elle adore le rock. Alors le rock sauté, elle aime bien le West Coast, elle aime le rock. Et on a un problème. Dans beaucoup d'écoles ou d'associations de danse, il manque d'hommes. Donc Aurélie, elle voulait quand même danser. Et ben, comme il n'y avait qu'une danseuse de disponible, Aurélie, elle a appris le pas du danseur. Elle a appris le guidage du danseur. Et ça fait combien d'années que je t'ai fait danser en garçon? 3 ans que je la fais danser en garçon, mais le même costume que les garçons. D'accord? Eh bien, cette année, avec Claude, on a dit stop. Aurélie est une fille, on va lui mettre une robe, mais elle continuera à faire le garçon comme danseur. Voilà. Donc, ne vous étonnez pas, vous allez voir deux filles danser ensemble. Je commence à postuler. Ça va les enfants? Vous allez voir deux filles danser ensemble, mais il y en a une qui effectivement fait le travail du pilote, du danseur. Donc rien que pour ça, maintenant je vais leur laisser la place, la Gospel Team, sous vos applaudissements. C'est les aléas du direct. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Paul était emmêlé dans son truc.
Et voilà, moi je veux que vous commenciez l'enchaînement dans de bonnes conditions. Ça vous a plu la partie gospel? Ouais, franchement? Non, on recommence pas. Tu me cales juste au début du Bruno Mars, s'il te plaît, si tu veux bien. À la fin du gospel, de toute façon. Mets-moi juste au moins les dernières notes du gospel. Tu me dis si c'est OK pour toi, Ronan. C'est tout bon? T'as la fin du gospel? Comme ça, ils ne sont pas pris de cours pour le démarrage. Vous êtes prêts, les loulous? Mais je vous avais dit, je ne vous laisse pas tomber, on est chez nous. Et je savais que vous alliez me foirer ce costume. Attention, c'est parti. Love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I pray, but when I pray, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Attends. Bonjour. Ça va? Ça y est, c'est fait. Et mon Bruno? Hélène? Aurélie? Monique? Jean-Paul? Et alors? C'était pas gagné. Pourquoi? Ben, durant une saison de danse, on n'est pas toujours disponible. On a aussi des priorités, des obligations, des coups durs qui peuvent tomber. On pense à plein de choses. Et en finalité, on arrive quand même à vous présenter ce qu'ils viennent de vous présenter. Donc, moi, je veux qu'on les applaudisse encore une fois. Donc, on va faire une jolie sortie. Hein? Ah oui, bah, petit enroulé, et puis vous prenez vos vêtements en même temps? Ouais, je vais pas encore faire l'aménage. Mais rangez votre chambre pour partir, s'il vous plaît. Eh ben, pourquoi pas? Eh ben, tiens.